Ce lundi 5 décembre, Caroline a été éliminée de N'oubliez pas les paroles après 52 victoires. La 9e plus grande maestro du jeu souhaite concrétiser son projet d'adoption. Si son aventure dans les Masters 2022 de N'oubliez pas les paroles a été brève, Caroline est tout de même entrée dans l'histoire du jeu diffusé sur France 2. Grâce à ses connaissances, la Limougeaude a pu remporter 274 000 euros de gains en 52 émissions. Une prouesse qui lui permet d'atteindre le top 10 des plus grands maestros du karaoké géant présenté par Nagui. Vous l'aurez compris, malheureusement, la candidate a perdu son micro d'argent ce lundi 5 décembre. Une fin de partie jouée avec beaucoup de fair play. Une belle sortie sans échec, j'ai eu un peu la défaite rêvée. Elodie, la challenger du jour, note de la rédaction, m'a envoyé dans le fauteuil, puisque je ne connaissais pas la chanson. Puis elle a réussi à chanter jusqu'à la clochette, ce qui veut dire qu'elle est allée jusqu'au bout. C'est donc totalement mérité, par la suite, je n'ai même pas eu à chanter. Elle a travaillé et je sais que c'est très dur d'aller chercher les clochettes, reconnaît Caroline qui a souvent réussi cette épreuve, nommée Si est-il la même chanson, connue pour être coriace. Elle ajoute avec modestie, être éliminée par quelqu'un qui a bossé et qui a réussi à gérer son stress, c'est tout simplement une belle sortie. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir quelques regrets. Sa petite liste de cadeaux, je suis plutôt satisfaite du chemin parcouru, même si je m'en suis voulu de ne pas avoir gagné plus d'argent. Sur les dernières émissions, je ne suis pas allé chercher trop de gains. Mais être dans le top 10 et dépasser les 50 victoires, c'est bien. En tout cas, j'essaye de me dire que c'est bien quand même, finit par admettre la juriste âgée de 32 ans. Ses efforts ont été récompensés par une somme énorme à 6 chiffres qu'elle compte savamment dépenser, je vais augmenter les dons que je fais pour la cause animale. Je pense que je vais adopter des animaux supplémentaires à la maison. Et après il va falloir faire plaisir aux proches avec grand plaisir, et faire quelques travaux grâce à ce petit coup de pouce de la vie, admet la championne en riant. À lire aussi Caroline, l'actuelle maestro, aspirée par le rythme de tournage de N'oubliez pas les paroles, il n'y a pas eu de pause avant les masters.